voilà, on passe comme à l'eau là. Voilà, passe. Voilà, au sol, au sol. Bon, on a été efficace en attaque et tout, de l'efficacité que nous avons fait du coup. On a essayé de presser. La finition n'a pas été bonne. Non, ce soir, on pouvait sortir à 20 points. Mais on n'est pas découragé, on sort les deux défaites successives. Un nul, c'est bon à prendre quand même. C'est bon déjà pour booster le moral pour les prochains matchs. Énormément plaisir. Énormément plaisir. On va, après le matin, on va tirer les conséquences et puis maintenant, pour les persuader d'avenir, on sait autre chose. Sinon, c'était le maintien. On a le maintien. On est positif. On est content. Coach, qu'est-ce qui ne va pas la soirée depuis 3 journées? Vous n'avez plus la chose. Panne complète d'efficacité. Panne sèche. Très sèche. Ouais. C'est grave. C'est bon, heureusement que nous sommes en fin de saison et que pour nous le maintien il est assuré, on va dire à 95-90%, il ne fait pas à 100%, il n'y a pas tout ça. Mais bon, on n'est vraiment pas de sèche offensivement, hein, surtout dans la finition aujourd'hui. Tu vois, en première mi-temps,
a quand même l'opportunité d'ouvrir le score, de marquer un ou deux buts avant la mi-temps. Malheureusement, on en prend un pénalty. On se crée des opportunités, des ballons devant le but, mais après, je suis désolé, mais pour certains, le niveau est trop élevé. Ça, je suis clair là-dessus. C'est pourquoi je le dis, on finit la saison là pour donner du temps à tout un chacun. Après, on fera bien le bilan. Qui c'est qui est capable de continuer, qui c'est qui va pouvoir continuer, parce que l'année prochaine, vraiment, je veux bien faire mieux que ça. Moi, je suis vraiment plus ambitieux que ça, et il y a des gens, vraiment, je suis désolé de le dire maintenant, mais bon, c'est la triste réalité, quoi. Il faut des garçons beaucoup plus habiles techniquement, beaucoup plus percutants, beaucoup plus efficaces. Voilà. C'est surtout ça, quoi. Efficace défensivement, efficace offensivement. Comme je l'ai dit, on a un noyau de joueurs. Après, quand il n'y en a pas deux ou trois, c'est un problème. Diaby encore aujourd'hui nous a fait défaut ce soir dans son couloir gauche. Toali fait un bon moment qui traîne un palu, donc il est out. Malo, on perd Malo aujourd'hui. Voilà. Et puis donc en gagnant, on va être encore réduit. On fera ce qu'on pourra, mais bon. Comme je dis, on termine la saison comme ça et puis on attend la Coupe nationale pour essayer de taper un coup.